to the ground. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Désolé, merci pour votre patience évidemment, puisque je n'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière. Et ça faisait un petit moment que je n'ai point fait de vidéo sur Planet Coaster. Mais comme vous pouvez le voir, c'était pour la bonne cause, puisqu'au moins j'ai pu avancer et créer pas mal de nouvelles choses. Aujourd'hui les amis, on va faire deux on-ride et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Et j'ai vraiment sincèrement besoin de vous, parce qu'il y a plusieurs questions que je me pose et je vais avoir besoin d'avis à ce niveau là, puisque j'aurai besoin évidemment de vous. Et vraiment, c'est très honnête. Donc les amis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de choses et à la fois j'ai pas fait grand chose, c'est ça ce qui est fou. Donc je vais tout simplement commencer par les... alors attendez, PMR, c'est ça, personne mobilité réduite. On va commencer par ça puisque les amis, vous m'avez vraiment expliqué comment ça fonctionnait dans l'idée que bah, en général les personnes à mobilité réduite passaient par la sortie. Alors par exemple sur le petit coaster, le kiddie coaster ici, j'avais déjà fait ça ici, j'avais mis un sens interdit et la rampe d'accès justement, donc c'est la sortie du petit coaster. Et sauf que chose que j'avais faite, souvenez-vous, pour le Green Temptation juste ici, le Jungle Temptation pardon, d'ailleurs je vais remettre le HUD, le Jungle Temptation ici et le Turn Adventure, ces deux coasters là, vous savez que j'avais fait des files spéciales pour PMR, chose qui n'est pas du tout réaliste comme vous me l'avez expliqué, je vous en remercie énormément. Donc j'ai fait pas mal de modifs en fait, tout simplement. Dans un premier temps, bah, j'ai enlevé ici la troisième file d'attente que j'avais créée, souvenez-vous, là il y avait une troisième file d'attente avec une rampe et tout, donc ultra complexe. Donc j'ai tout supprimé. J'ai tout supprimé et en fait tout simplement bah, c'est par la sortie que ça se passe. Donc l'accès pour personnes à mobilité réduite, sachant que du coup maintenant il n'y a plus d'escalier. Donc voilà, c'est une vraie rampe. Alors il y a du chemin à parcourir. Bon, c'est déjà beaucoup plus court que la file d'attente classique. Et à un moment donné, voilà, il faut quand même mériter un petit peu ce coaster. Non non, mais en tout cas voilà, il n'y a pas d'escalier. Donc comme ça pour PMR, il n'y a aucun problème. C'est ça qu'on dit, un PMR. Voilà, je suis un petit peu le Jones, un peu le coaster fan, voilà. Pour ce qui est bah, des bûches, bah, c'est pareil. J'ai également fait une rampe d'accès. Alors faut partir du principe que dans les bûches ça peut être un peu complexe. Je conçois parfaitement, j'ai un petit peu du mal à m'imaginer une installation à l'intérieur avec les sièges et tout. Mais en tout cas, si jamais il y a des personnes à mobilité réduite qui sont capables de rentrer dans les bûches, bah voilà, comme ça au moins le système est là. Et de même là-bas pour le Turn Adventure juste ici. Donc à la base ici, souvenez-vous, j'avais pareil, j'avais fait une file d'attente ici pour personne à mobilité réduite que j'ai donc enlevé. Il y aurait dû avoir un ascenseur ici, donc je l'ai enlevé et j'ai fait pareil. J'ai fait, alors justement, regardez, on va faire ça très simple. Le Turn Adventure ici, l'entrée elle est là, c'est le classique, l'entrée elle est là. Le problème c'est que bon, c'est pas bandant quoi, hein. Quand t'es en fauteuil roulant, j'imagine c'est vraiment la galère. Vous m'aviez dit en plus ça peut être vachement étroit. Du coup là c'est la sortie, bah il y a des escaliers, bah alors comment on fait? Et ben en fait tout simplement bah, ça se passe ici de ce côté là, comme ça ça sert à quelque chose. Et ben voilà, c'est par là que ça se passe. Turn Adventure, tu montes ici la rampe et puis voilà, t'accèdes via la sortie avec toujours des zones, hein, des zones plates, hein, pour justement se reposer. Ou enfin voilà, je conçois parfaitement. Alors je vais pas étaler ma vie, mais vous savez que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Donc on va dire que je suis connaisseur, enfin pas dans les dans les parcs d'attractions, mais je suis connaisseur de commencer de pousser un fauteuil par exemple. Donc voilà, dans l'idée j'ai fait ça. Donc vous voyez la sortie, du coup il y a deux accès, hein. D'ailleurs n'importe qui peut passer par là ici, il n'y a pas de problème, hein. Peu importe par où tu sors, c'est plutôt sympa. Voilà pour ce qui a été fait au niveau des PMR. Un petit point sur le kiddie coaster jusqu'ici. Kiddie coaster jusqu'ici, j'ai pété un câble, donc j'ai tout dégagé, j'ai remodifié, j'ai voulu faire la file d'attente de ce côté là, mais en fin de compte il n'y a rien qui a avancé concrètement. J'ai essayé de refaire un petit peu le layout pour qu'il soit plus fluide. Bon, ça me fait péter un câble, ce coaster là me fait péter un câble, je n'arrive pas à en faire ce que je veux, donc je vais réfléchir. Soit je vais vraiment me focus dessus et y arriver, ou soit je vais le dégager et faire un autre type de coaster qui sera probablement plus grand. Ce sera peut-être pas un kiddie coaster, et voilà, au moins ça restera dans le thème qui est ici parce que c'est assez joli. Voilà pour ce qui a été fait là. Bon bah vous l'avez vu, hein, pour les bûches ont été beaucoup thématisées, enfin il était temps. Donc j'ai fait cette fameuse cascade juste ici avec plein de pierres, avec plein de mousse comme vous pouvez l'imaginer, enfin comme vous pouvez le voir.
Wesh, j'ai cru qu'il y avait deux bûches qui se suivaient là, j'ai eu un petit peu peur, je vais pas vous mentir. Donc voilà un petit peu l'intérieur, comment c'est tout simplement, voilà c'est mignon. Voilà pour le moment c'est encore très peu. Ah j'ai ajouté des caméras aussi. Ah et monsieur fait ça réaliste, hein. J'ai mis des caméras à plusieurs étages comme vous le voyez juste ici. Évidemment merci le workshop, hein, vous vous doutez bien. Donc voilà, il y a trois caméras sur le lift là, il y en a également là sur le lift, il est où le lift? Il est là, je suis perdu. Là il y a des caméras ici et une caméra ici. Du coup j'ai refait les photos là, vous savez là ici c'est là où il y a la photo, mais comme maintenant il y a un nouveau décor, j'espère que je vous donne pas la gerbe à bouger dans tous les sens. Bah là j'ai refait les photos. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah monsieur part, il y a une file d'attente, monsieur décide de partir, vous êtes un connard. Viré, donc voilà, on a les roches. Pareil, alors, j'ai oublié de vous dire, mais pour le Jungle Temptation, ce coaster, d'ailleurs du coup j'ai mis un truc de photo juste là, tout simplement, et j'ai modifié le layout, donc on va faire un on-ride. Comme vous l'avez vu sûrement, là ici il y avait une inversion là, enfin une inversion non inversée, donc c'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire. Mais bref, il y avait un truc ici et j'ai transformé ça en airtime comme vous me l'aviez demandé, et donc du coup j'ai dû, pas le choix, modifier un petit peu le tracé. Alors forcément c'est pas niveau décoration, c'est pas le top encore, mais dans l'idée c'est plutôt pas mal. Je saurais même plus vous dire si c'est fluide ou pas parce que ça fait longtemps que j'ai pas retouché ça, donc je vais redécouvrir ça et vous allez découvrir ça avec moi. On va faire ça dans un instant. Mais d'abord, je voulais vous montrer encore ce nouveau coaster ici que j'ai rechangé, donc le fameux Boa, bébé Boa, Orelsan, si tu passes par là bien sûr. J'ai tout remodifié parce que pareil j'ai pété un câble et ça faisait partie de ma lassitude au jeu là, ces derniers temps. C'est à dire que j'ai à la fois pas trop le temps de jouer parce qu'il faut de la créativité, il faut passer des heures pour faire pas grand chose, et en même temps ça m'a fait péter un câble. Donc j'ai rechangé le layout, ça ne ressemble même plus au... Alors à la base ça ne ressemblait pas au The Monster, au Alligator Grand S pour ceux qui... Mais il y en a qui avaient compris qu'il y avait quelques clins d'œil à The Monster. Donc le seul clin d'œil qu'on peut retrouver c'est ici le fait que le départ se fait juste au dessus de l'allée, c'est à dire que là les gens passent en dessous. Enfin vous avez vu l'intro du début, donc voilà les gens passent au dessus, c'est le seul clin d'œil qui fait que ça ressemble à The Monster. Mais alors pour le reste voilà, on va faire un on ride juste après. J'ai mis 8 wagons et j'en ai mis 2. Vous allez me dire si vous trouvez ça fluide ou non, mais d'abord attendez, on va pas faire les on ride tout de suite, je vous montre un peu ce que j'ai fait parce que vous avez vu il y a quand même pas mal de comblage. Là on a mis j'ai mis une petite décoration de plantes ici, j'ai mis un petit stand pour boire de l'eau. Voilà, regardez, il est à fond lui. Hein. Alors lui, il est à fond, il prépare les boissons. Là, à côté de la grande roue, juste ici, j'ai fait un petit coin naturel où les gens peuvent pique-niquer, se poser. Je suis fier de moi parce que j'ai enfin fait cette file d'attente pour la grande roue. Enfin, file d'attente, si on peut appeler ça file d'attente, puisque souvenez-vous, j'en avais marre et personne ne m'a aidé parce que je ne savais pas comment faire. Ça faisait un vieux S tout pourri, tout moche. Et ben, j'ai enfin eu la solution. Alors, il faudra que je cache encore les guichets d'attraction. Mais voilà ce que j'ai fait. J'ai fait tout simplement une ligne droite parce que de toute façon, c'est pas la bousculade pour rentrer là-dedans. Avec ici, comme dans la vraie vie, le petit guichet de la grande roue pour donner ta pièce et y aller. On va considérer que tu donnes ta pièce et puis voilà, tout simplement tu rentres dans la grande roue. Donc c'est beaucoup plus sympa, ça fait que là il y a un grand espace, donc j'ai mis une table de ping-pong tout simplement. Voilà, donc je suis assez content de moi à ce niveau là ça fait plaisir. Le rafting, encore un petit truc, on va pas faire de POV, j'ai pas changé la file d'attente pour le moment, je l'ai pas encore faite. Par contre du coup j'ai changé le layout au niveau du drop, comme vous pouvez le constater. Alors d'ailleurs vous pouvez voir que l'inverted, le boa, passe juste au dessus, donc bien sympa. Mais donc comme vous me l'aviez dit, c'était pas réaliste et surtout très dangereux pour les bouées parce que avant, une fois que le drop, il y avait le drop, ça tournait tout de suite et forcément ça abîme, c'est horrible. Donc là du coup j'ai laissé beaucoup plus de marge le temps que le temps que ça monte. Alors il y a quelqu'un en commentaire qui a dit qu'il n'y a pas de lift dans les que ça n'existe pas ça dans les bouées. Bon bah ma foi c'est pas bien grave. Oui. ça m'a fait un peu sourire mais c'est pas grave. En général il y en a même deux, mais bon. Donc voilà, du coup là au moins ça laisse le temps. Hop, magnifique sensation. Et puis après voilà, ça tourne. Et puis après voilà le virage. J'ai ajouté ici une deuxième cascade juste en face. J'ai trouvé ça relativement sympa de faire ça. Comme ça on est vraiment dans une ambiance très enfermée dans les chutes d'eau. Donc là t'es sûr d'être trempé hein, dans tous les cas, ça c'est clair. J'ai ajouté plein d'arbres évidemment, plein de végétation, vous l'avez constaté par vous-même, je vais pas vous dire. Alors là j'ai mis un palmier, là j'ai mis une caméra. J'ai mis une caméra ici puisque regardez à la sortie qui est juste là. Hop, j'ai rajouté un employé ici. À la sortie, tac, j'ai rajouté pareil une petite boutique souvenir avec les photos. Voilà les photos avec voilà tout simplement. J'ai fait ça à la one again. Donc ça fait plaisir. Voilà pour un petit peu tout ce qui a été fait. Là il y a rien encore qui a été remodifié. Pareil hein, alors vous dans les commentaires vous m'aviez dit que là personne n'allait aller là parce qu'il y a pas de
Je m'en fous, c'est pour le RP les gars. Je m'en fous, c'est pareil, genre là il y a personne qui va dans l'eau, il y a personne qui nage, il y a personne qui fait les toboggans, bah c'est comme ça. On peut pas faire autrement, le jeu est ainsi. Mais dans l'idée, c'est pour le RP, voilà. Donc c'est pour ça. Mais donc j'aime bien, et donc là voilà, il y aura probablement de nouvelles choses en fonction que voilà, s'il y a un coaster ou pas, je ne sais pas encore. Bref, donc voilà un petit peu les tacos, rien n'a bougé. Et là j'ai rajouté aussi un stand du coup de Tiki Chiki. Tiki Chikita. Oh putain, quel enfer. Bref, voilà. La file d'attente, pareil, j'ai pas thématisé. Enfin, j'ai juste mis une tête de requin, donc je pense que ça va être en rapport avec les requins. Cette inverted, mais la file d'attente n'a pas été encore vraiment faite, hein, comme vous pouvez constater. Voilà, bah, on va faire un on-ride. Ce que je vous propose, messieurs, dames, c'est qu'on commence par celui-là, le Jungle Temptation. Je crois que je l'ai un petit peu plus fluidifié. Je me souviens plus, comme dit, ça faisait longtemps, donc ne me criez pas dessus quand je vais me rendre compte que c'est dégueulasse. Mais je l'ai un petit peu plus fluidifié, il me semble. J'ai mis une attente ici de quelques secondes avant de lancer, avant le launch, contrairement à précédemment. Et puis voilà, on va faire un petit tour. Alors les amis, je vais vous proposer le on-ride sur le siège. C'est quelque chose que je suis pas spécialement fan, mais vous m'aviez demandé à ce que je le fasse parce qu'habituellement, vous savez que je prends la vue au milieu sur les rails qui permet de se rendre compte du layout correctement et c'est généralement fluide. Donc je vais faire ce que vous m'avez demandé, donc voilà, en vue passager. Seul problème, je suis pas fan parce que les mouvements de tête sont dégueulasses. Je m'en suis rendu compte. Et c'est pas pour dire que mon layout est fluide et que ça rend pas fluide, hein, mais c'est vraiment... Enfin, je sais pas, la tête, elle bouge tellement, j'ai l'impression que c'est pas fluide de base. Donc bon, je vous le propose, je ferme ma gueule, et puis on lève les bras en l'air, quoi. La photo. Alors il y a du bon. Je suis voilà, avec le recul là parce que je suis en train de faire le POV avec du recul. Donc vraiment il y a du bon. Je suis très content. Mais alors ce que je disais voilà, c'est que ça rend pas fluide. Forcément il y a des fois où ça saccade. Ça saccade. Et pourtant quand je me mets en vue comme ça là, il y a pas ces saccades là. Donc je sais, vous allez me dire qu'il y a des moments où ça saccade et je sais que de toute façon on peut rendre plus fluide le truc. Là vous avez le droit de me le dire. Ça c'est clair. Mais avec cette vue là je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Alors ce que je vous propose c'est qu'on refasse de nouveau un tour. Mais en tout cas je suis content et alors merci vraiment d'avoir insisté à ce que j'enlève l'inversion qu'il y avait au milieu là, juste là, parce que ça rend le tracé beaucoup plus intéressant. Et je suis bien d'accord et je pense que vous allez me le dire en commentaire. Je compte vraiment sur vous pour me dire vos avis. Mais je trouve en effet que le coaster est encore plus intéressant qu'avant. Et voilà, vous avez raison, voilà. Je vous l'ai dit, des fois vous avez pas l'art et la manière de me le dire. Mais vous aviez raison. Vous avez raison, j'aime beaucoup là en tout cas. Donc bref, voyons voir. En tout cas par contre là le launch ici, cette montée là, elle est beaucoup plus fluide qu'avant. Donc là je suis très content, j'ai réussi, hein. Là dans tous les cas c'est quand même beaucoup plus fluide qu'avant là. Voilà, ça c'est top ça. Juste là peut-être. Hop, non c'est bon. Là je trouve c'est bon. Mais en vue FPS, eh ben ça m'a l'air dégueulasse. C'est ça, voilà, j'attends de voir un petit peu ce que vous en pensez. Bon là c'est un... Là c'est vrai, alors voilà, voyons voir. Voilà, ça fait quelques petits picotements, ouais. Si vous me le dites, je vous comprendrai. Mais j'ai l'impression que je peux pas faire mieux. J'arrive pas à faire plus fluide que ça, en fait. J'ai l'impression que le jeu m'en empêche, en fait. Mais bon. En tout cas, voilà, je suis quand même relativement satisfait. Je pense que c'est l'essentiel. Et je pense que, dans la majorité, vous allez dire que c'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup mieux qu'avant. Et c'est vraiment top. Donc voilà un petit peu pour le Jungle Temptation. Et maintenant, les amis, on va passer au Boa. On va peut-être appeler ça Shark Attack. Tiens, regarde, on va appeler ça pour le moment Shark Attack. Si vous avez un meilleur nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hop, Shark Attack. Et puis on va faire tout simplement un POV. Alors je vous montre un petit peu avant de faire le POV parce que ça peut créer des débats encore une fois. Là, par exemple ici, vous allez me dire, bon, dans la vraie vie, je pense que ça n'existe pas dans tous les cas. Mais vous allez dire que c'est ultra dangereux, que... Alors, attendez, on va attendre que le wagon passe, justement, on va faire une pause. Pour qu'on comprenne la situation. Je vais vous expliquer mon ressenti, d'accord? Top! Là, vous allez me dire, c'est dangereux. Alors, déjà, dans un premier temps, le jeu est mal fait.
Parce que désolé, mais là, ça c'est pas moi qui ai choisi de mettre les barres comme ça, là les maintiens. Bon, excusez-moi, mais vous voyez que là les pieds ils touchent. Hein. Enfin les pieds ils touchent. Ah si, les pieds ils touchent là frérot. Hein. Donc là déjà là, venez pas me dire, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici là. Hein. Le problème ici, ça n'a rien à voir. Donc déjà pour vous dire, le jeu, il se fout de notre gueule. Ensuite, là, quand on regarde, ça ne touche absolument pas, ça ne frôle même pas. Alors oui, c'est proche, mais ça ne touche absolument pas, j'ai vraiment vérifié pour le coup. Et pareil pour les bras, hein, quand tu prends en compte la taille d'un bras, tu peux pas toucher là. Même en levant les bras et en les tendant au maximum, à moins que tu aies atteint d'une maladie inexpliquée encore. Mais normalement, voilà, ton bras ne fera pas plus de... bon, je vais pas dire de chiffres, mais en tout cas, voilà. Donc là, je peux comprendre que ça puisse poser problème pour certains. On va faire un on-ride après, mais... Comprenez bien qu'il y a un autre problème, c'est que le jeu de base se fout de notre gueule. Donc regardez bien ce qui va se passer, je vais vous montrer avec le deuxième wagon. Il y a un truc qui me titille depuis un bon petit moment maintenant, c'est ici. Hop, je m'épose. C'est tout simplement la barrière là, regardez bien ce qui va se passer. Voilà, tac, ça touche là. Ça touche totalement là. Tu vois ce que je veux dire? Ça touche totalement frérot. Les jambes elles tapent hein. Donc, et ça, bah c'est c'est le jeu, c'est pas moi. Alors oui, je peux faire en sorte, je peux enlever là ici, je peux enlever cette partie là. Mais bon, c'est pour vous dire que dans tous les cas, même si moi je faisais le truc, un truc parfait, le jeu fera en sorte que ce soit pas parfait. Et donc, bon, bah à un moment donné, il faut être un petit peu tolérant par rapport à tout ça. Donc voilà, on va faire un on-ride, on va prendre ce wagon là, hein, puisqu'il va commencer depuis le départ. Et puis on est parti quoi. Et franchement, messieurs, dames, voilà, je vais prendre en compte vos avis. Hop là, ça ralentit bien avant que ça tourne, évidemment. Je prends bien en compte vos avis, mais il faut savoir que là, bon, sachant que je recommençais à zéro même, mais j'en ai chié, quoi. Juste pour ça, j'en ai vraiment chié. Je me suis repris à je ne sais pas combien de fois. Paf, ça c'est vraiment dommage aussi que ça... que les trucs se rentrent dedans. Je ne comprends pas ce jeu, mais c'est pas grave. En tout cas, sachez aussi que le deuxième ne partira que... quand le premier sera revenu. Parce que justement ici ça peut poser un problème, n'est-ce pas? Et encore je crois pas. Je crois pas hein. Puisque du coup là les pieds seront vers là. Là les pieds sont vers là. Ça pose même pas problème en soi. Mais bon, dans tous les cas voilà, les deux wagons circulent pas en même temps. Sur la miniature, je vous rappelle juste un petit truc. Si vous faites attention, si vous avez l'œil, puisque c'est moi qui fais mes miniatures, c'est moi qui fais mes vidéos, c'est moi qui fais mes montages, c'est moi qui fais... Bon bref, tu m'as compris. Sur les miniatures, souvent de Planet Coaster, vous voyez qu'il y a plusieurs wagons. Genre il y en a même parfois 10 sur le même coaster. Ouais, c'est justement pour attiser l'œil les gars. Évidemment, jamais de la vie vous verrez les deux en même temps en action. Donc voilà, comme ça vous le savez. Et n'hésitez pas à regarder de nouveau la miniature de la vidéo, comme ça vous verrez ce que je veux dire. C'est-à-dire que normalement tu vois, il me semble ici, tu en vois là un là, t'en vois là un là. Enfin voilà quoi, t'en as un petit peu plusieurs. Mais donc voilà un petit peu, je suis vraiment content. Je suis vraiment content des avancées parce que comme à chaque fois je me retrouve bloqué. Et au final j'arrive à me dépatouiller. Donc faut pas me mettre la pression et faut pas attendre une vidéo toutes les semaines quoi. Mais une fois que je suis parti quoi. Regardez comme c'est joli. Après voilà, y a des trucs qui vont pas, je pense. Vous allez forcément... Je sais qu'il y en a qui auront cligné des yeux ici, quoi, hein, clairement, mais je vous assure que, selon moi, ça pose pas problème. Vraiment. En tout cas, ça pose pas plus problème que les problèmes de Planet Coaster même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous avez fait attention, des fois, on pouvait se manger
des barres en acier quoi. Genre on n'est pas censé se les prendre normalement si le jeu était... Là j'ai fait ce que vous m'aviez dit de faire d'ailleurs, tu sais, pour chatouiller un petit peu les pieds. En tout cas donner l'impression, parce qu'évidemment les pieds ne vont pas jusqu'en bas hein. Mais donc voilà, voili voilou, je suis content quoi. Je suis vraiment content, j'espère que vous avez kiffé cet épisode là, que vous avez kiffé l'intro aussi. À voir maintenant par la suite ce qui va se passer. Et là où j'ai vraiment besoin de vous, vraiment hein. Alors vos avis sur les deux POV bien sûr, mais aussi le coaster là quoi. Genre est-ce que je le dégage tout simplement et je fais un seul coaster qui probablement prendra toute la place là et prendra même la place jusqu'à derrière. Donc vraiment un grand truc, tu sais, peut-être un boomerang ou un... Et ce sera du coup pas un kiddie coaster, ce sera un coaster normal. Genre pas pour trop... Enfin, genre pour tout le monde. Un coaster pour tout le monde, mais à sensation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc genre pas trop haut, genre comme là, mais qui va relativement vite, qui fait quand même pas mal de G. Enfin, je sais pas encore, hein, je m'enflamme. Mais bref, tu m'as compris. Donc dites-moi vraiment en commentaire. Et on restera dans le même thème du dauphin, bien sûr, hein, ce que vous m'aviez dit, là, hein, la cascade des dauphins ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas voilà pour l'idée. Mais j'aime bien, du coup, l'ambiance. Là, j'aime bien l'ambiance, en fait, de là-bas, ce qui se dégage quand tu regardes comme ça, en fait. Quand tu regardes comme ça, voilà, ça, c'est bien comblé. Enfin, il manque encore des choses. Mais voilà, là, il se passe quelque chose. Là, ça donne envie, tu vois, de faire un petit... Paf. Moi, j'aime bien faire du ping-pong. Mais là, ça donne envie, tu sais, de se poser là, quoi. Genre, t'as à manger là, t'as à boire là, t'as une cascade là. T'as la grande roue là, t'as des gars qui vont vomir là, t'as l'inverted là, tu vois ici le Jungle Temptation qui passe. Enfin, là ici c'est le coin frère, ici c'est le coin je suis refait là, hein. Genre je suis trop content de ce coin là quoi. C'est mon coin préféré du parc, je préfère vous le dire. Voilà, et puis les bûches qui fonctionnent très très bien évidemment. Donc ça fait plaisir. Les amis, n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, je vous fais vraiment plein de bisous et je compte sur vous, vraiment le like, le partage, le commentaire. Des bisous, ciao tout le monde !